Bonjour à tous. Nous sommes ici pour vous donner les derniers éléments concernant la disparition de Lisa Mailleux. L'enquête a établi que les restes humains trouvés dans le bois de la localité Lesseigne sont celles d'un homme. Il s'agirait du corps de Kasper Kraus. La victime est morte d'une fracture au crâne, la conséquence d'un coup violent suite à un objet tranchant, probablement la hache qui a été retrouvée sur les lieux. Des blessures périmortem sont visibles sur l'os temporal et sur l'os pariétal, ce qui nous mène à la conclusion que la lésion n'a pas pu être causée par la victime elle-même. Nous avons relevé des empreintes digitales sur la hache, en plus de celles de Kasper Kraus. Nous avons également trouvé les empreintes appartenant à Lisa Mailleux. Tous ces éléments indiquent la possibilité que la victime ait pu être en contact avec Lisa Mailleux à l'époque de son décès.